sur la terre. Il n'est aucun homme de pour que mon cœur peut faire. Prenons des puissants au nom. Et quel beau nom. Et quel beau nom. Et quel beau nom. On porte les noix. Chantez donc! Quel beau nom, c'est celui de mal. Encore! Ou dans les cieux, dans les cieux, si la terre. Hey! Il est au paquet d'eau! Hey! Si! Qu'est-ce que mon père peut faire? Au nom de Christ, au nom, quel beau nom, quel beau nom. Yes! Hey! Quel beau nom. Bon nom, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom. Quel beau nom, quel beau nom. Pas de loin, de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom. Que celui de la vie. Levez bien. Levez bien, crie alléluia. Vive le nom de Jésus. Allez. Dans les bois, Jésus soulage. Il guérit l'esprit droit. Il a mis le courage. Dit que les filles sont blessées. Quel beau nom. Celui de ma vie. Quelque grand, oh. Quelque grand que soit que dans. Hey. Qu'il soit blessé, qu'il soit mort. Et quelqu'un encore le nom. Jésus est plus grand pour moi. Quel bon nom, quel bon nom. Quelque grand nom, vous j'en ai droit. Quel bon nom, prends-t-il loin de l'éternel. Quel bon nom, que celui des bâtis. Encore quelques grands. Quelque grand que soit que l'on. Qu'il soit blessé, qu'il soit là. Et quelque grand quand le nom. Le bébé a voulu. J'aurais su être plus grand pour moi. Quel bon nom, quel bon nom. Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom. Quel beau nom, quel beau nom. Prends le loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom. Et celui de Paris. Le nom de Jésus. Détient des âmes en le coup. Il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus. Jésus, Amen. Béni soit ton nom.
Jésus, oh merveilleux, Jésus, suprême en son, sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le Amen. Il me soutient sur le chemin. Sa musique est le son divin. Précieux dans les chiens. Je suis béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux. Jésus, suprême rançon. Sois adoré. J'aime le nom de mon sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me remplit de mes vœux. Oh! Précieux nom de Jésus, oui, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveille. Suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et si parfois je suis tombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé. Oh, précieux nom. Adorez mon Dieu, bébé. Oh, oui. Oh, Jésus, oh béni sois ton nom. Jésus, oh merveilleux. Jésus, suprême rançon. Oh, sois adoré pour toujours. Levez-moi. Oh, levez-moi. Adorez mon Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons levé mon oui. Amen. Mon nous a levé déjà, levé mais on est bon. Quand est nous mon nous levé. Qui est vous qui espérez ça nous oui. Amen. Qui vous avez pas les pas de délire, mais le connaît, le connaît. Amen. Amen. Oh, qui vous qui espérez ça nous on a dit on a expliqué au nom. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai, précieux nom de Jésus, Jésus, il béni soit. Jésus, oh merveilleux, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai, précieux nom de Jésus. Je vais mourir les noms. Béni soit ton nom, Jésus, oh merveilleux. Jésus, suprême rançon, sois adoré. Levez-moi, adoré. Dieu vivant, Dieu fort et grand, notre Dieu, notre Seigneur. Maintenant, avec un cœur reconnaissant, nous approcher devant toi, nous. Nous disons merci. Merci pour le salut que vous m'avez donné.
Merci parce que dans sa lia, nous jouons tout ça nous avons besoin. Nous jouons une protection. Protection pour petit nous. Protection même pour amis nous. Nous disons merci. Merci pour le privilège que nous matin pour nous joindre ensemble. Pour nous capables d'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, nous demandons t'en prie. Penchez oreilles ouvertes vers nous. Acceptez l'adoration que nous avons offert. Parce que vous-même seulement digne pour nous adorer. Merci Seigneur pour semaine ça, où te permettre nous passer bien. Si ce n'est pas nous-mêmes, Seigneur, nous t'as planifié plusieurs enterrements. Mais nous disons merci. Merci pour Sœur Denise avec Timoun Lioja, Seigneur. Vous t'es éliminé secret là pour vous. Vous t'es éliminé enterrement pour vous. Merci pour Sœur Marie-Ange. Vous t'es éliminé enterrement, cher Seigneur, petit garçon. Merci. Merci, Seigneur. Si là, oh Dieu, ennemi a t'a planifié enterrement, yo, mais ou même ou passé devant, ou crasé, nous disons merci. Seigneur, nous venons devant avec l'église entière. Nous réclamons bénédiction pour l'église. Là. Seigneur, nous portons ma outil dans le cap diriger nous dans le champ. Continuez à servir avec vous. De façon que tout ça qu'a fait, tout ça qu'a dit, chant yo capable de chanter en bas onction. Nous pote musiciens nous yo baou. Nous pote techniciens nous yo baou. Nous pote huissiers yo chasseur. Nous pote groupe qui pral chanter. Tout ça qu'pral fait chasseur. Nous pas vle la chair et le sang prend contrôle, mais nous vle au Dieu, Saint-Esprit. La direction tout ça qu'on fait. Et dans la minute ça, nous demandons pour mettre tout mauvais esprit en bas chaîne pour nous. Mettez tout diable racial. Cap marcher derrière servante ou marcher derrière serviteur. Mettez en bas corde. Nous pas d'accord chez Seigneur pour mauvais esprit venir manifester dans mitan nous et puis pour nous rester chez Seigneur. N'a garder nous pas faire rien. C'est pour cela nous demandons t'en prie prendre direction service là. Prends contrôle, Seigneur, moment ça. Parce que nous-mêmes, nous sommes incompétents. Nous ne pouvons pas faire rien, Seigneur. Mais où nous avons fait toute bagaille? Il y a des gens qui ont besoin de guérir. Il y a des gens qui ont besoin de délivrer. Il y a des gens qui ont, Seigneur, qui marrent. Donc, nous demandons pendant que nous adorons, by Lord, en faveur de chaque monde qui l'a. Et non capable de glorifier. Nous pas d'accord avec mauvais esprit qui vient contrarier service nous. Contrarier adoration nous. Que tout mauvais esprit enchaîné dans minute ça. Et que l'esprit de Dieu prend contrôle de l'assemblée. Ces prières nous adressons pas en qualité de monde qui bon monde qui dit. Mais nous prions au nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, le règne, la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous avons une lecture parole de bon Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 13, commençant du verset 1er jusqu'au verset 13e. Et m'appelez pour. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous les biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien.
La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand celui qui est parfait sera venu, celui qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroir d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Parole du Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On nous dit ensemble, gloire à Jésus. 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 On nous mettait mes nous ensemble encore pour nous acclamer le Seigneur. Le Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Amen. Le juste juge, le grand pasteur des brebis. On nous acclamer mon Dieu, même qui vient demain matin pour nous frapper la présence de mon Dieu. L'ici pour nous recevoir adoration nous. L'ici pour nous recevoir louange de nous. L'ici pour nous recevoir offrande. Que n'a pas l'image, amen. Bon Dieu dit pour le recevoir. Offrande que Dieu a bali aujourd'hui. Offrande ou tout ce travail ou pour votre balia. Qui n'est d'autre que votre adoration ce matin. On nous acclame, mon Dieu. On nous appelle vive Jésus. Vive Jésus. Vive Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous mettons Chita. Gloire à Dieu. Assemblée de Dieu de Brockton, bon Dieu continue à bénir nous. Un verset pour ce maintenant, nous avons joué dans le livre de Ésaïe 62, verset 3. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. Ésaïe 62, verset 3, c'est verset pour ce maintenant. Ésaïe 62, verset 3. Amen. Est-ce qu'on clame parole ça matin? Hein? Amen. Gloire à Jésus. Ta visite nous. Sous visite nous pour la première fois, nous avons demandé pour faire un petit campé. Et qu'on soit à l'église, capable de saluer présence. Ou même qui là, pour la première fois. Amen. Nous avons deux bien-aimés frères qui sont avec nous pour la première fois. Nous avons servante. Est-ce que nous avons l'autre? Donc, nous avons trois bien-aimés qui sont avec nous pour la première fois. Oh, nous avons... Ça fait quatre, n'oubliez compter, ça fait cinq, ça fait six, oh, ça fait sept, huit. On nous campe pour nous applaudir le Seigneur pour visiter nous matin. Hein? Amen. Gloire à Jésus, nous contents que vous êtes avec nous pour la première fois. Venez adorer mon Dieu. Nous croyons qu'on est déjà béni. Merci l'église ou mettre chita visiteur au fond de campé toujours pour huissier yo web et quatre sacs à recevoir pour un petit temps rempli li et on va songer remettre nous li avant déplacer. Donc bon Dieu capable bénir nous.
Bye, bon Dieu, on pique, bravo. Fais-moi tant de bravo. Amen. On va arracher ici. Amen. 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 On dit bon Dieu, merci. On dit bon Dieu, merci. Pour serviteur là. Qui bénit nous nous avec bon sur ça. Amen. Ça. Bye, bon Dieu, l'autre coup, bravo. Nous regardons ensemble psaume 125, le verset 2. Il dit, des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. On nous répète encore, des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Amen. Il y a plusieurs façons de classer le psaume. De classer par hauteur, de classer par thème, et suivant l'analyste ou le commentateur dans l'approche qu'il fait. Mais nous reconnaître à cause de les tenir compte de contenu, ça qui est dans psaume 125, et bien psaume 125 est classé parmi les psaumes de confiance. La confiance nous vient fidèle, qui c'est foi. Si sommes monde qui a la foi, monde qui met confiance sur le bon Dieu. Qui but message nous matin? Nous vivons dans un temps qui est caractérisé par l'insécurité généralisée. Ou pas safe aucun côté. Petit nous pas safe dans l'école, nous pas safe dans le travail, nous pas safe dans le train, nous pas safe dans la machine, nous pas safe dans la rue, nous pas safe aucun côté. Maintenant, Dieu a continué, nous inviter l'Église là pour être capable de mettre confiance li dans l'enseignement chef li, qui c'est chef de l'Église là, qui c'est Jésus-Christ, qui dit dans Matthieu 10, verset 30, même les cheveux de votre tête sont comptés. C'est but message. Dans un temps d'insécurité généralisée, nous invitons le peuple du Seigneur à avoir confiance dans l'enseignement de son chef qui déclare « Même les cheveux de votre tête sont comptés. » Psaume 125, verset 2, peut-être que ça, c'est texte que nous sélectionnons, c'est parce que texte li soutenit démarche nous en ce que li inspire nous yon plan. Psaume 125 verset 2, si vous t'apprend version semeur là, li dit par exemple comme Jérusalem est entourée de montagnes, comme Jérusalem tout autour c'est des montagnes, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Donc c'est une comparaison. Et dans le texte, Jérusalem est le mot-clé. Et ça qui fait nous t'arrêter, pas de façon exhaustive, mais de façon succincte, parler un peu de Jérusalem, parce que lui dit, des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Donc, comparaison ça, c'est que l'Elphine parle de Jérusalem qui est entouré de montagnes, et puis il vient parler du peuple de Dieu. Avant même que nous parlions de peuple de Dieu, que l'Éternel entouré, on font y garder, peut-être qui ça, lui évoquer Jérusalem. Peut-être qu'il ça lui annoncer, lui parler de Jérusalem en dans verset là. Lui voyait nous à Josué. Josué était gain pour mission pour te faire la conquête de Canaan. Et pendant conquête là, Josué a prend ville, la prend ville, mais gain ville cananéenne. Cette ville de Yebus. Ville ça lui-même, il pas de conquérir. Il pas arrivé dominer, il va arriver, rentrer là-dedans. Et puis, Israël habitait toute zone, yo, mais petit côté ça, t'es à part. C'est comme si l'Éternel dit la Bobokton, et puis une équipe gang qui campait dans la zone, et puis nous ne prenons pas la zone, ça, parce qu'il y a une gang qui la donne. Quand il y a là, pendant que Josué a fait conquête là, cette ville cananéenne de Yebus, qui habitait par les Jébusiens,
tout les Israël dans espace que l'occupé a mais Jébus lui-même c'est Jébusien qui la donne. Le David vinois selon 2 Samuel chapitre 5, Bible a dit David marcha contre les Jébusiens. David dit lui-même il pas qu'un roi pour une zone pour lui-même il pas gain contrôle lui. Et puis à travers son général Joab, le chef de l'armée de l'Éternel, monsieur attaqué Jérusalem, zone ça. Et puis David fait de cette cité sa capitale. Et c'est ça qui fait que villa importance li a grandi de jour en jour, d'année en année, siècle après siècle, parce que David en a fait son capital. Et sa capitale, si vous voulez. Maintenant, qui ça qui vient de passer? C'est que puisque David fait de cette ville sa capitale, li changer non ville là tout. Yo te gen ket fragment li ap gade yo Jérusalem et David relé le cité de David. Li relé le ville sainte. Yo relé tout la ville du grand roi, yo relé tout cité de Dieu. Yo relé le ville de la justice et cetera. Mais gon nom particulier que yo bali, prophète Esaïe utilisé l'empile et Salmi surtout utilisé le c'est le mot Sion. Yo relé le Sion, là où est Sion ou est Jérusalem. Et gen tout en théologie dite théologie de Sion qui prend forme. En 1897, à Bâle, lorsque Théodore Herzl a commencé à faire quelques mouvements pour que les Juifs soient capables de retourner à Jérusalem, il a fait un congrès. Et congrès, ça, en 1897, il a été le congrès sioniste. Il a utilisé le mot Sion pour former un adjectif parce que il y aurait même mot ça, le mot Sion, le congrès sioniste. Et en parlant de Sion sioniste, il y a aussi sionisme, qui est Sion, qui c'est Jérusalem. Et le sionisme, c'est organisation israélite qui avait pour objet le regroupement de la nation juive autour de Jérusalem et qui est à l'origine de la constitution de l'État d'Israël en 1947. Après la Deuxième Guerre mondiale, Israël vit un État. Mais avant de venir au État, Israël était éparpillé de tous côtés. Là, ils ont commencé à faire activité, réunion, pour être capable de discuter pour Israël, venir au État. Et ils ont été le premier congrès, ça, le congrès sioniste. Et c'est avec raison qu'on dit de Jérusalem qu'elle était la pierre angulaire de l'unification religieuse et culturelle d'Israël. Donc, mais ça que nous sommes capables de dire, en gros, de Jérusalem, sans compter les autres expériences, lorsque le peuple a désobéi, bon Dieu quitte, il envahi Jérusalem. Ça, c'est de l'histoire. Et tout reste histoire. Là, il y a tout que Jérusalem gagne, c'est par rapport à la prophétie, par rapport à ça que il va représenter dans le futur. Donc, tout ça concernant Jérusalem. Maintenant, en entrant dans le texte là, côté que le serviteur a dit, des montagnes entourent Jérusalem. Les montagnes. Prêtez attention. Montagne, qui ça montagne? Montagne, c'est élévation de terre. Hein? Il y a une accumulation de terre qui vient baou montagne. Cette élévation de terre, qui ça vient faire? Il vient créer, il vient une création de sécurité. Parce qu'à l'époque, dans l'Antiquité, il était toujours sensible pour des villes fortifiées. C'est-à-dire que des villes avec de hautes murailles, des portes et des barres. Il y a des villes semi-fortifiées, mais puisque espace ça, qui c'est Jérusalem, qui vient Sion, qui vient la cité de l'Éternel, c'est un espace vraiment difficile, eh bien, il y a une ville fortifiée. Et lorsqu'on parle de montagne, de ville fortifiée, il y a l'autre caractéristique qui la donne. Dans le psaume 23, Samistan dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Table, ça, c'est pas table que nous mangeons. C'est que la montagne, les montagnes très haut, l'homme qui vient dans tête montagne, là, une sorte de platon. Platon, ça, même lorsque la pluie n'a pas tombé, vallée n'a pas joint la pluie, eh bien, il y a la rosée qui était sous platon. Hein. Lorsque David dit, tu dresses devant moi une table, ça veut dire que vous mettez sous tête montagne, là, pendant que sous tête montagne, là, moi, j'ai tout ça que j'ai besoin. Et puis, les loups ravisseurs qui, en bas, m'ont campé, m'ont gardé loup, yo, qui a fait bruit, mais yo pas qu'a fait main. Rien, parce que l'Éternel dresse devant moi une table. Et montagne, yo, tout, yo permet une sorte d'irrigation naturelle parce que l'eau, elle saute en l'air, la descend si autour
de montagne là dans quelques zones gain vallée gain plaine tant que Sodome ou que plaine ça li irrigué naturellement parce que de l'eau sorti en haut li glissé li descend. Dans ça c'est pour nous montrer où, qui ça qui fait de Jérusalem cette ville une ville qui tant convoitée une ville qui était difficile pour y te prendre mais grâce à effort David nous pral ouais ça puis devant et bien ville ça l'autre bagage encore qui gagne en ville fortifiée les villes là bien fortifiées tant coup Babylone qui ton ville fortifiée qui te gagne de route muraille je te considérer ville ça comme étant une ville imprenable ça veut dire que ennemi pas qu'à rentrer là-dedans parce que ville là bien protégée et bien en nous faut garder qui ça qui t'est passé avant l'arrivée des Jébusiens nous poser hypothèse en époque pas de gain Jébusien dans espace ça. Eh bien, avant l'arrivée des Jébusiens, espace ça, il pas habité. Il pas de monde là-dedans. Il était vierge. Et c'est là que nous voulons attirer l'attention sur bagaille. Les Jébusiens, c'est une menace pour Israël. Les Jébusiens, non seulement une menace, ils étaient un défi pour Israël. À un point tel, Josué by vague. Les Jébusiens n'étaient pas encore là à une époque bien déterminée. Et espace ça était vide. Espace ça, sans les Jébusiens, dans un certain sens, lorsque nous avons fait, nous avons continué la comparaison, nous considérons comme nous-mêmes. Nous-mêmes qui c'est Jérusalem. Nous-mêmes, nous te prenons naissance dans l'innocence. Nous te prenons naissance. Bon Dieu t'a créé nous pas de péché dans cœur nous. Le bon Dieu t'a créé nous t'es bien. Nous t'es sans peur. Nous t'es dans la paix totale. Dans le psaume 131 verset 2, psalmiste dit j'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. En parlant des enfants, Jésus dit laissez venir à moi les petits enfants car le royaume des cieux est à ceux qui les ressemble. Les nous t'es timoun, même nous-mêmes, nous faites. Les nous t'es tout petit, nous t'es gon paquet de bon espoir, nous t'es gon paquet de bon droit. Nous pas gon souhaiter comme ça. Les nous t'es timoun, nous t'es vivre ça. Ou tellement innocent, ou que nous avons une belle machine à passer, on vous dit, maman, mes machines, moi. Et ce n'est pas vrai. On a vu à passer, on dit, maman, mes avions, non. Nous avons dit, maman, me font discussion à papa, moi-même. Mon machine qui passe me dit maman mes machines moi hein et papa me lui-même qui était on est qui était drôle il dit ti mon n'a pas même travail des ambitions machine et puis maman me dit mais non ti mon n'a pas gagne idéal li ka gon bagage que le remet li ka gon bagage que li apprécier ou pas ka tuer ça ka ti mon non tout ti ça passe c'est parce que nous t'ai dans l'état d'innocence nous te connaît nous t'ai droit tout bagage nous ka gagne bateau ni ka gagne avion nous bien nous à l'aise ceci jusqu'à ce que les nous commencer gain l'esprit fatra monde là commencer rentrer dans tête nous je commencer par nous limitation je commencer faire nous connait qui bagage que nous pas ca posséder et puis nous grandir avec et m'a travaille sous deux volets et dans le volet spirituel il faut qu'on nous pas sanctifier il faut qu'on est jeune pas sanctifier jeune pas qu'à servir bon Dieu, et puis il vient incarner dans tête ou qu'on pas qu'à marcher dans la sanctification. Il vient incarner dans tête ou qu'on pas qu'à en l'église qui puissante. Il vient incarner dans tête ou qu'on pas qu'à en l'église miracle pas qu'à fait encore. Fatra ça va commencer à rentrer dans tête. Et sur l'autre plan, au plan de développement personnel, nous vient tellement limité. Nous vient qu'on est bon bonne bagaille nous pas qu'à posséder encore. Et puis nous vient amener envie de résigner. Pourquoi ça fait ça? Parce que tout simplement, les mauvaises pensées qui représentent les Jébusiens ont envahi nous. Nous venons penser ça sous forme de peur. La peur, nous commençons pas à absorber le monde en dedans nous. La peur de la mort, la peur du terrorisme, la peur de la maladie, la peur de la souffrance, la peur de la vieillesse, la peur de la solitude. La peur de la destruction, la peur de la pauvreté, toutes ces peurs, toutes ces pensées négatives
yo possédé nous, envahi cœur nous, yo envahi nous. Ce sont les Jébusiens qu'elle représente. Il y a des Jébusiens du mariage. Jébusiens ça crampé dans la vie. Les ou pas heureux, ou pas happy, ou pas bien. Les Jébusiens, lui, la finance, tout soit moyen, ou pas qu'à prospérer. Les Jébusiens des enfants, si vous avez un problème, vous levez si vous faites tout effort, vous travaillez dur, bagaille, pas qu'à marcher. Zami a pas le mal, famille pas comprendre nous. On pas qu'une bonne idée négative à envahir. Ou pas qu'on qui ça pour faire. Ou peur. Mais manger, on pas qu'à manger. Ou que cabane, on pas qu'à dormir. Parce que la peur envahit. L'inquiétude envahit. Tout ton souci CNN. Tension montée. Parce qu'on tellement fait nouvelle. Ça peut passer, c'est qu'on passe en Syrie, c'est qu'on passe en Moyen-Orient, et puis l'attaque aux États-Unis, et te tire en France. Tout bagaille ça a dans la tête nous. Tout Jébusien ça a envahi nous. Pendant que y a l'autre qui bien, pendant que y a l'autre qui sentit au fruit, et nous pas l'expliquer où ça te fait ça. Maintenant, on était toujours dans le contexte Bible là. Contexte physique là avant nous aller dans le spirituel là. David qui symbolisait l'amour de Dieu, David qui vient établir, n'est-ce pas, Sanrele, qui établit dans l'amour de Dieu, David qui invitait nous pour nous capables d'embrasser les pensées de Dieu, les pensées de conquête. David dit femme, conquérir cet espace. Et ce matin, une invitation que nous faisons à travers le message ça. Ou qui quatre espace qui campait devant qu'on peut conquérir, nous demander au nom de Jésus, avec le sang de Jésus, c'est pour faire la conquête de ces espaces. Ah. David dit non, pas d'accord. Il y a quatre bagailles qui campait devant, c'est pour dire non ou pas d'accord. Il y a quatre défis qui campait devant, c'est pour dire non ou pas d'accord. Il y a des difficultés qui campent devant, il y a des montagnes qui campent devant, il faut dire non, 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 non. Je ne prends pas ça. Je ne prends pas ça dans mes ennemis. Je ne prends pas ça dans mes adversaires. Et David, qui comprend la réalité, ça, David allait faire la conquête de cet espace. Et puis il prend la ville là, il change de nom. Dans Jean 3, verset 16, la Bible a dit, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et lorsque Jésus-Christ, le Fils de David, lui-même est venu, si David lui-même t'a chassé les Jébusiens, c'est péché qui t'est royaux, péché qui t'a dominé, et ça fait l'éternel t'a chassé, péché t'est arrivé au paroxysme, et Jésus-Christ, le fils de David, lorsqu'il paraît lui-même, il n'est pas seulement chassé les Jébusiens, il est à la fois crucifié les Jébusiens et il est enterré les Jébusiens. Et bien, sans raison, il est le fils de David. Lorsque Jésus-Christ vient, il prend péché, vous comprenez ça, et puis il est cloué à la croix, et ça fait même avant nous, qu'il y a besoin de camper pour nous prendre quelques péchés dans la vie, nous, quelques mal qui dans la vie, nous, pour nous faire des déclarations, pour nous dire, péché, moi, cloué à la croix au nom de Jésus. Malédiction familiale, moi, cloué à la croix au nom de Jésus. Diable racial, moi, cloué à la croix au nom de Jésus. Combien de gens qui sont cloué à là? Raseur, moi, cloué à la croix au nom. Ou même qui dans l'humiliation. Ou besoin de camper dans le chamou. Ou besoin de camper dans la présence de Dieu pour dire humiliation. Jésus-Christ, t'es cloué. Je prends autorité sur vous-même. Serpent ancien, moi, cloué au nom de Jésus. Ou même qui n'a pas dormi, c'est pour camper devant le cabane, non. Pour relayer sommeil, pour dire sommeil, moi besoin. Sommeil, moi voulais pour prendre. Sommeil, moi voulais pour embrasser. Parce que bon Dieu fait nuit, c'est pour me dormir. Pour camper devant l'adversaire. Pour parler à un problème. Non?
ou par la difficulté à pour prendre victoire parce que le fils de David l'était pas nous la victoire. Et lorsque le fils de David lui-même est rentré à Jérusalem qui est notre cœur, dans Jérusalem physique là nous voyons que les Jésus a rentré, il est rentré dans la louange. Nous avons chanté, nous avons dit Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus-Christ, il est rentré à Jérusalem, ce n'est pas pour te chita, mais c'est pour te élever la louange. Il était accompagné par des louanges, il était rentré avec des acclamations. Ça fait dans Jérémie, verset, chapitre 3, verset 17, il y aurait les villes, ça aussi, le trône de l'Éternel, qui est un nom prophétique, parce qu'on le cas privé, c'est pour toute nation, venir à Jérusalem, venir adorer le Dieu vivant. La Bible dit, tout loue l'Éternel, tout ce qui respire loue l'Éternel. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre l'ennemi, d'après Psaume 8, le verset 3. Maintenant, comment nous capables, comme Jérusalem, lui-même entouré de montagnes, comment l'Éternel entoure son peuple? Comment l'Éternel entoure son peuple? Comment nous capables de dire que le peuple de Dieu est entouré de la présence de Dieu? Dans mon suivre ça. Louange, retournez, venez joindre nous. Nous venons gagner droit encore pour nous louer, bon Dieu. Yon bagay que nous t'es perdu, yon droit que nous t'es perdu. Parce que lorsque péché t'es envahi, nous, le péché envahi ou pas qu'à louer bon Dieu, non? Le la vie ou pas ok, ou pas qu'à louer bon Dieu, non? Lorsque j'ai buzi dans la vie, ou après moun campé, moun ap levé, mais ou ap dit béni soit l'Éternel, ou même c'est camp ou camp ou ap garder comme ça, oui? Maintenant, pour capable rive yon côté, pour capable baye bon Dieu, louange, gloire, li même seul mérité, ou besoin retourner encore à l'état d'innocence. Et ça fait, Jésus te dit, Nicodème, ne t'étonne pas si je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le retour à l'innocence, devenir enfant de Dieu, pour nous capables de rentrer dans le royaume de paix. Si nous pas fait une deuxième fois, si nous pas né de nouveau, la difficile pour nous capables de rentrer dans une relation de louange avec le Seigneur. Nous t'avons même pour prendre, nous t'avons considéré image ça. Jésus-Christ fait une déclaration, côté lui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, car mon joug est doux et mon fardeau léché. Venez à moi. Mais qui est le Seigneur? Est-ce que le Seigneur en bas? Est-ce que lui en haut? Mais Bible a dit dans le chant, moi je suis d'en haut, vous, vous êtes d'en bas. Et pour ne pas expliquer la relation ça, je prends exemple avion encore. Là, prends un avion qui atterrit sous piste. Avion loup, avion grand pile tonne sous lui-même. Il y a un passager, il y a un bagage, il y a tout ça constitué avion, il fait avion loup. Et lorsque avion atterrit, lui subit la loi de la pesanteur, cette force qui attire tous les corps vers le centre de la terre. Et avion ça, lui, il n'y a pas qu'à faire. C'est seulement rester à terre. Parce que lui loue. Il n'a qu'à voler. Parce que lui en bas une loi, c'est la loi de la pesanteur. Et lorsque avion ça commence à courir, même avion ça, qui était lourd, qui était chargé avec bagage, là il courait, il volait, il vient changer de loi. Maintenant qu'on y a, il vient, il pas en bas la loi de la pesanteur encore, il vient en bas la loi aérodynamique. Même avion ça, qui est même chargeant, même avion ça qui est même passager, même avion ça qui pesait même poids, avion ça montait, avion ça vient plus léger. Et qu'on y a une expérience que nous faisons dans l'avion, c'est que l'on monte l'avion, tout autant wap monte, bagay qui atterrit, yo vin pipiti. Combien de monde qui t'en dit ça qu'a dit là? Tout autant wap monte, bagay qui atterrit, yo vin pipiti. Et qu'on compte wap rive, bagay qui atterrit, yo vin invisible. Ou pas, ouais, encore. Mais ouais, qu'on pas, ouais, encore,
ça pas vle dit que yo pas existé. Comment moun k'ap tande ça k'ap di matin ya? Yo existé mais à cause de altitude moyen ya, moi pas wè yo en bas. Lors de la loi de la pesanteur que Paul relait la loi du péché et de la mort d'après Romains 8 verset 2 à continuer, l'on a subi la loi du péché, tout problème yo devant ou pas ka fan rien devant yo. Les problèmes yo devant ou garder yo ou grosseur yo, problème yo peser, maladie bon problème, maladie bon difficulté, problème ti moun yo, problème mari, ou pas à l'aise ou lou, ou gen problème ou pas ka virer corps, ou vin chagrin, figou garder non, figou déformé, pour qui ça? Parce que ou en bas la loi du péché et de la mort. L'on bat la loi du péché et de la mort, ou pas sentir bien. L'on bat la loi du péché et de la mort, ou gen problème à message. Gen prédicateur par remen, depuis a prêché sous péché, ou pas à l'aise. Ou ta remen, ou traité l'autre sujet. Peut-être qui ça? Parce que ou en bat la loi du péché. Mais lorsque avion changé de loi, li vin en bas la loi aérodynamique, côté que avion vin malgré li gen charge là mais li vin plus léger parce qu'on changement de loi, c'est ça que Paul relait la loi de l'esprit de vie. Le en bas la loi de l'esprit de vie ou pas wè bagay au même gens avec l'en en bas la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie li prend li met en haut. Pendant qu'on en haut, il y a deux bagay qui rivé. Problème yo vin pipiti ou bien problème yo ou pa wè yo du tout. Pour qui ça? Parce que ou pas en bas la loi de la pesanteur, mais en bas la loi aérodynamique. Là en bas la loi de l'esprit de vie, mes bien-aimés. Là libéré, si donc le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre, mais ça devine passer dans la vie. Et m'a compris dans week-end. M'té wel sur le plan de développement personnel, mais qu'on y a mis nouvelle sur le plan spirituel. Ou qu'on ça fait problème, yo pas qu'à faire rien, c'est parce qu'on tellement haut avec Jésus. Dans hauteur qu'on y a, où est problème dans tout petit. Et parfois problème non, ou pas même où elle-même, même l'elle exister, parce que ou en haut avec le Seigneur. Et pas seulement problème qu'on pas ouais. On va l'expliquer au bagay. Qui ça qui fait un monde faire jalousie? Qui ça qui fait un monde railler un monde pour sale posséder? Qui ça qui fait un monde kembe un l'autre monde dans cœur? Ou quand ça fait ça? C'est parce qu'on encore dans la loi de la pesanteur, la loi du péché et de la mort. Lorsque on bat la loi de l'esprit de vie ou tellement en haut ou par la dimension terrestre encore bagay ki an ba yo vin piti ou bien yo invisible ou bon pa wè yo du tout, c'est ça te fait. Même le yon moun fait succès, quel que soit succès que le fait, on dit que li fait succès académique, li gen master, li gen monsieur gen 3 master, on dit que li gen PhD, on dit que son chercheur que li est, puisque ou dans la loi de l'esprit de vie le Seigneur prend li monte ensemble avec vous ou seulement dit bravo, moi bien content pour vous, ça pas affecte ou pas qu'à rahi moun nan, parce que pas en bas la loi du péché et de la mort. Ce intel change kay, li habite yon côté zone sa, kayo c'est 3 millions de dollars, puisque ou en bas la loi de l'esprit de vie, et que ou au-dessus des choses terrestres, kay c'est bagay à terre, machine c'est bagay à terre. Même si l'on go kay, aïe aïe aïe, même si l'on belle machine, même si machine n'y en pi bon passe pas m'nan, même si machine n'y en pi belle passe pas m'nan, même si machine n'y en pi cher passe pas m'nan, même si m'boko genyen, même si bon Dieu pape jamb ban mouen, puisque mouen en bas la loi de l'esprit de vie, mouen en haut, en bas, m'ba wè, li invisible, li piti, quel que soit. Qui t'aime toutes ces paroles? Qui des monde qui possède un bagage? Moun nan sentil gros, moun nan sentil plein, mais moun kap servi bon Dieu ouais, pas rien non. À cause de la loi de l'esprit de vie qui a franchi nous de la loi du péché.
Li mette nous en hauteur. Quel que soit progrès on moun fait. Bravo. Parce que dans hauteur qu'on y a, on va regarder en bas toujours petit. Ou bien en bas invisible. Caille petit, machine petit, étude petit, il pas affecté. Pour qui ça? Parce que nous parlons même dimension. Mais l'autre dimension terrestre, où nous allons faire concurrence, nous allons montrer un tel caché, un caille, même Javel. En bout de temps, on doit même préparer. Pour nous faire toute vie ou à travail. Pour nous pas gagner de temps pour mari ou pas gagner de temps pour petit tout. Et gon économiste qui dit gon j'en travail, il y a trois bagages qui arrivent. Trois pertes. La perte de la famille, la perte de l'emploi, la perte de la santé. Parce que ou tellement poussé le, pour nous là la perte de la santé, tant pour ta gagner, pour ta reposer, tant pour ta gagner pour bailler bon Dieu gloire, ou obligé le travail là parce que faut que quand la paye, faut que machine la paye, faut que téléphone yo paye. Maintenant, qu'on a tellement de travail, ou tellement de travail, ou tellement de travail, ou capable de perdre la santé. La perte de l'emploi, surtout le monde qui travaille dans le domaine santé, ou tellement de travail, ou tellement de travail, ou tellement de travail, ou ils vont être fatigués, ou capable de faire une erreur. Ça arrive à New York, il y a une dame qui est nurse, qui finit faire 16 heures de temps de travail, et puis elle relève pour le travail. Elle revient dans le travail, là, il y a un patient qui a un problème. Mais patients, ça sont patients qui dégoûtant en pile. De temps en temps, la pèse bouton pour le faire si elle est venue. De temps en temps, la pèse bouton. Et puis, elle était tellement fatiguée, là, elle fait dormir. Pendant qu'elle fait dormir, un patient est sous compte lui. Et puis, patient pèse bouton. Mais comme on est son patient qui dégoûtant, personne ne va venir porter le secours. Et puis, il y a un tchèque qui est cool, tchèque qui a tout fait, lui mourir. Il était fatigué, là, elle dormit. Et si elle n'est pas aidée, parce qu'on est patient, ça, son patient dégoûtant, ça passe à New York. Pendant New York, on s'en a expliqué ça. Les machines dans même l'église avec. Il y a un monde qui a 60 ans. Il y a un monde qui doit préparer l'âge de la retraite. Pour nous aller dans la prison. Il prend dans la prison. Il a perdu un paquet de bon avantage. Il a perdu la liberté. Parce que l'autre travail trop ou bail trop temps. Ou capable même de perdre l'emploi. La perte de la famille. Je n'ai pas de temps pour Timounio encore. Je n'ai pas de temps pour Marim. Et puis Timounio a gagné sur Internet. Il n'y a pas de support. Marou pas joué nous. Madame n'a pas joué nous. Et puis foyer a crasé. Non, mais pour qui ça? Parce que lorsqu'on a opéré en bas la loi de la pesanteur, ou loup, la loi du péché, ou loup, ou la concurrence, ou la bataille, tout ça, on moun fait, c'est pour vous. Tout ça, on moun fait. Ou vin, regardez, ou vin sensible, ou vin drôle, tout bagay. Ou vin, ou l'autre mot m'a cherché, le kan di en Haïti. A dit, ou pas parler à moun, n'en gon les avèl, ou parler. Aïe, aïe, ou vin susceptible. Susceptible. Pour faut pas même ouè moun, n'en gon les avèl, ouye. Peut-être qu'ils savent parce que ou à terre. N'en mon levé mon pour dire, bon Dieu, mettez mon ou. L'en haut, l'autre des petites soins est-elle graduée, même les ou même ou petites pour la poco graduée, ou bien petites pour la traverser un moment difficile, ou tellement en haut, ça, ou seulement dit gloire à Dieu pour lui-même, ça pas affecté. Son l'église comme ça nous besoin, son l'église comme ça n'a prévé, c'est notre dimension ça, bon Dieu, vloyé, la dimension aérodynamique, une dimension quoi, vous voulez tout le monde bien, vous voulez tout le monde à l'aise. Peut-être qu'il ça parce que dans la dimension terrestre, dans la dimension céleste, qu'il y a bagay à terre. Yo. Ou dominer. Je n'ai pas dit rien. Un tel réussi, gloire à Dieu. Un tel voyager, gloire à Dieu. Et c'est parce que Haïti, nos dimensions tellement terrestres qui fait les gens pourraient voyager autour de toi. Ils ont toujours dévié. Parce que dans la dimension, combien de gens ne tapent pas, tu ne pas dire ça. C'est leur arrivée, on a le téléphone, on dit allô. On dit les gens ont un appel international. On dit qui est ça? On dit c'est Jacques. J'ai dit que je suis parti. Mais ça, il ne faut pas dire ça. Parce que le peuple nous est tellement à terre. Il est tellement esclave péché. Satan tellement dominé nous. Donc, depuis que nous avons fait un petit progrès, un bagage qui veut dire un bagage positif dans la ville, c'est pour nous détruire, c'est pour nous dévier, c'est pour nous éliminer. Oh, ya, ya, l'eau à terre, l'eau esclave, la loi du péché, ou en bas la loi de la pesanteur, les jeunes filles en mariée, l'autre fait jalousie. Ou en est-elle en mariée? Ça le dirait que là. Mon mariage, c'est pour deux jours. Ou en fait jaloux?
C'est Colossiens qui ouvre les yeux nous. Lorsque il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Nous avons affection pour bagay en haut. Combien de gens qui ont affection pour bagay en haut? Ah, affection pour bagay en haut. Peuple haïtien besoin d'entendre message ça. Peuple haïtien besoin d'entendre ça. Pour nous capables d'aller plus haut. Aller plus haut, bien-aimés. Nous besoin d'aller plus haut. Nous besoin d'avoir le cœur de Jésus. Nous besoin d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments côté que m'ba dans concurrence à personne. Tout le monde doit accomplir mission yo. Nous est l'être humain comme un envoyé. Nous chaque qui là sont envoyés que nous y pas qui sont envoyés. Bon travail, bon Dieu, bon fait. Louko sont envoyés. Pasteur Rebecca sont envoyés. Frère Stanley sont envoyés. Bon l'autre pasteur qui a prêché son cher la même gens avec moi, c'est un envoyé. Il y a 2000 monde devant qui te le travail avec yo. Il y a un monde qui a fait une émission même genre avec vous, sont envoyés que lié. Ou pas besoin de railler. Ou pas besoin de dire qu'il faut émission d'encraser, il faut l'église d'encraser. C'est parce que nous pas affectionnés nous aux choses d'en. Et là, nous affectionnés nous aux choses d'en haut. Gon bagay qui passe dans Philippiens 4, verset 8, qui va nous description. Il dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai, la vérité, que tout ce qui est honorable, l'honneur, que tout ce qui est juste, la justice, ce qui est pur, la pureté, ce qui est aimable, l'amour, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ici, quand on est assis avec le Christ dans cette dimension céleste, fardeau à vin léger, dimension de louange dans vine entrée. Bible a dit la louange si aux hommes droits. L'esprit de louange transforme l'homme. Mais c'est quoi la louange? Sujet nous, c'est vous êtes racheté pour louer. Vous êtes racheté pour louer. Je vais expliquer quoi ça louange dans fait. Comme les montagnes en tout Jérusalem. L'Europe louer. Même gens, montagne, là, c'est une élévation de terre qui vient créer une sorte de sécurité. L'Europe louer, bon Dieu, on relation ensemble avec lui. Ou vient non élévation de la conscience. Ou vient élever la conscience. Avant d'entrer en communion avec le Seigneur. À ce moment-là, on est capable de louer, même si on n'a pas ouvert bouche. Parce que Jésus t'a dit, s'il ne crie, s'il se taise, les pierres crieront. Parce que la louange, c'est une culture. Une culture de louange. Une culture, quand que même les ça pas bon. Même si je ne suis pas capable de me soupir, je me fais bah, bon Dieu, pour me dire Dieu, oui, tu as raison. Je me soupir pour me faire, pour me dire Seigneur, je respecte la souveraineté pour ça qui arrive, parce qu'on mérite gloire. Ou capable de louer son pas ouvert bouchou. Dans le psaume 34, c'est vite à dire, je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Psaume 51, il dit, Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Le psaume 22, 4, il dit, tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Voilà ce qui se passe, mes bien-aimés. Et c'est pour ça que nous parlons de comparaison. Ça. Dans la louange, vision, yo commence à bailler. L'on a loué bon Dieu. L'on a une communion avec le Seigneur. Nous dit bon Dieu, merci pour le pasteur qui m'a donné une heure de temps de prière. L'on dans la prière, parce que l'homme de Dieu est un homme à part. Leur servi, bon Dieu, on compte faut sortir dans la foule là. Faut sortir dans le monde. Faut camper dans la présence de Dieu. Faut me sentir, bon Dieu, mettre sous comme pour me dire, gardez des mouns qui là, ou à moun trop, ou passer trop de temps à moun. Et quand ça vient, tu as expliqué la raison qui fait Jésus était puissant. C'est parce qu'il passait près de 10% de temps avec moun, 90% de temps avec le Seigneur. De la communion. Des miracles que Jésus pourrait le faire, il était sur la montagne d'abord, il passe en pile temps sur la montagne, dans la consécration, et puis là, il descend avec la puissance. L'op loué ou transcender les réalités terrestres, les réalités physiques,
ou entrer en communion réelle avec Dieu. Vous comprenez ça, mes là, en puis une grande élévation du corps. Même Jean, montagne, c'est élévation de la terre qui vient par une sorte de protection à villa. Et bien, cette élévation-là, notre louange, la présence de Dieu, lui a porté la paix. La paix de l'âme. La paix de l'esprit. C'est ça que fait. Non, moment côté que terroriste a menacé le pays. Non, moment côté que nouvelle n'est pas bon. Au lieu pour me chita à faire nouvelle, tu me louer, mon Dieu. Au lieu de me chita à faire nouvelle, que me rentrer dans la prière pour me chercher la présence de Dieu. Parce que cette présence-là, elle est comme les montagnes qui entourent Jérusalem. Jérusalem est entourée par des remparts. Le m'a bâillé, bon Dieu, louange. Le m'a bâillé, bon Dieu, gloire. Le m'a porté non Jésus bien haut. Eh bien, bon grâce. Amen, bon Dieu, avec vous. Bon protection. Même Jean, la terre est entourée, n'est-ce pas, de cette couche qu'on appelle la couche d'ozone qui protège la terre. Lors levez yeux, pas même cette couche d'ozone. Eh bien, le Seigneur, la présence de Dieu est notre couche d'ozone. Ah, qui protège, qui garde. Si ça te fait, matin, nous pas peur. Nous pas peur rien. Mais nous dans la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu fait un, c'est un rempart pour nous-mêmes. On nous regarde pour nous comment Salmis chante. Il dit, le nom du Seigneur est une tour forte. Les justes y accourent et sont sauvés. Une tour. Lorsqu'on a analysé tout, il faut qu'on ait une tour, c'est une sorte de citadelle. Eh bien, en dedans tout ça, il y a tout le bagage. Il y a de l'eau, il y a manger. Il faut faire provision pour des temps. Les ennemis attaqués pour la fin pas tuer. Lorsqu'on dit, le nom du Seigneur est une tour forte. L'aime camper, moi prier au nom de Jésus. Il me dit, petite, moi prends l'école. Marie, moi prends le travail. Madame, moi prends le travail. Eh bien, moi connais le nom de Jésus. Et cette tour qui protège ma famille. Maintenant, ennemi, qui ça ennemi en voulait faire? Lui voulait pour me chiter, pour m'apprendre nous, n'est-ce pas, pour me capable triste, pour figuer, me capable transformer, pour me des problèmes. Mais non, 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 non. Moi, je regrette ça pour ennemi. Parce que promesse, bon Dieu, réconfortez-moi. Dans le psaume 18, il dit, Éternel, mon roc, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je me réfugie. Dans le psaume 27, verset 5, il dit, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Pas oublier, Jésus-Christ est le rocher, hein, la pierre, hein, qu'on bâtissait, hein, qui a rejeté la pierre, hein, qui a été rejetée, qui est devenue la principale de l'angle. Jésus-Christ est notre rocher. Amen. Notre abri sûr. Pas oublier, ma propre, but message nous encore avant de nous terminer. But message nous, c'est, nous vivons longtemps. Qui est caractérisé par l'insécurité, ou du moins un temps qui a une insécurité généralisée, eh bien, tant ça m'a dit pour nous peur, il m'a dit pour nous pas sortir, il m'a dit pour nous pas vaquer dans l'activité, nous, mais nous rappeler, on a bu, on nous camper sous promesse, bon Dieu, qui dit, même les cheveux de votre tête sont comptés. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Dans le psaume 31, 21, il dit, tu les caches sous l'abri de ta face, loin des intrigues des hommes. Dans un refuge, tu les préserves des langues qui les attaquent. Ça, c'est une grosse attaque langue. On appelle bon Dieu avec. L'homme vit pour bon Dieu, il faut même faire maison avec vous. Il n'y a pas tout le bagage pour tendre. Mais ça, intel te dit. Non, ça, ça me trouve haïtien. Ba. Toujours nos zin, toujours notre tripotaille, toujours nos téléphones. On nous prend tant ça pour la prière, on nous prend tant ça pour nous prier dans le téléphone, dans l'hôpital. Parce que les paroles, ils disent sous où? Bon Dieu, préservez-nous contre ces langues. Il y a des tripotailles, ils font sous pour te retirer dans le travail là. Mais c'est la protection de Dieu qui fait encore notre job ça. Et dans le psaume 33, serviteur a dit, notre âme attend l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Dans mon rappelé-vous, quelques déclarations des mourants chrétiens, des hommes qui étaient connus ou gagnent la paix de Dieu. Nous gagnons John Knox, les monsieur Pral mourir, monsieur dit, vive en paix, et la chair ne craint pas la mort. John Wesley, de son côté, dit, le meilleur est que Dieu est avec nous.
au revoir. Richard Baxter, de son côté, dit, malgré souffrance, il dit, je souffre, mais j'ai la paix. La paix que Dieu donne, la paix qui surpasse toute intelligence. Ce n'est pas cette paix que le monde donne, mais la paix que Dieu donne. Au milieu des difficultés, des problèmes, j'ai la paix dans l'âme. C'est vrai qu'il y a un bruit, petit me frappe, Marie, il y a un problème, pas un job, mais il y a un pas qu'à expliquer, paix ça, parce que paix ça sorti en haut. Comme des montagnes entourent Jérusalem. La vie ou pas qu'à passer mal, zami. Ou pas besoin de peur sortir. De pour doué sortir, sortir. Avant sortir, c'est pour camper devant des sommes 125, verset 2. Des montagnes entourent Jérusalem. L'Éternel entoure son peuple. Pour terminer, dame attire attention sur l'identité. Il y a une promesse qui fait, il n'y a pas pour tout le monde. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Sommes-là commencé avec ceux qui se confient en l'Éternel, sont comme la montagne de Sion. Ils ne chancellent pas. Mais si ces montagnes, elles ne chancellent pas. Ça veut dire que mes bien-aimés, tout ça ne se dit là, yo, wap dit amen là-dedans, yo, wap absorbe yo, l'important pour faire partie du peuple de Dieu. Si ce n'est pas ça, ça prive l'église là, on dit c'est assez ça qui a privé, ou tout ou ni. Ou aveugle, ou nu, ou pauvre. Et ça fait, Paul dit dans Galates, revêtez-vous du Seigneur Jésus. Matin, est-ce qu'on a Christ? Est-ce que promesse ça va pour tout le monde? Li pour le monde qui fait bon Dieu confiance. Li pour le monde qui vivre avec le Seigneur. Si on dit par exemple, bon, on réunion qui a fait dans l'espace, mais c'est docteur seulement qui a la donne. Si vous pas docteur, est-ce qu'on a la donne? Vous n'avez pas la place là. Parce que vous dites c'est pour docteur. C'est le monde qui est docteur qui a rentré. Si vous pas docteur, ou pas rentré. Eh bien, quittez-moi dire pour nous terminer. Pour capable de faire une protection, le bon Dieu, comme les montagnes, vous devez porter l'habit des noces. Il faut que vous revêtiez. Et c'est moun qui portait l'habit des noces capable de souper avec le Seigneur. Souper avec le Seigneur, c'est entrer en communion avec elle. Parce que la nourriture, manger ensemble, c'est la communion. Donc maintenant, si vous pas souper avec le Seigneur, ou pas une communion avec elle, il y a une promesse qui n'est pas pour vous. Matin, il y a un pile de monde qui vient de l'église parce que la Bible a dit ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ou qu'en dans l'église là, mon pas pour Jésus. Ou qu'en dans l'église là, ou chanter, ou pomper, mon pas une relation avec le Seigneur. Ou qu'en dans l'église là, ou pas en bas la loi de l'esprit de vie, mais en bas la loi du péché et de la mort. Et nous faut invitation ce matin pour capable de venir revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Pour faire la paix avec elle, pour le rentrer dans la vie. Ou quand on est dans l'église, ou quand on est sous chair, bon Dieu, pas qu'on est. Ou quand on prêche, bon Dieu, pas qu'on est. Ou quand on dirige l'église. Parce que c'est un phénomène qui est très dangereux, un phénomène à l'étudier théologie, et puis tout sacre au pasteur. Parce que théologie sont sciences liées, n'importe qui a l'étudié. Et puis, quand on est cas, on est gradué dans la théologie comme pasteur, et puis là, on fait l'église sans le pas converti. Sans le pas contre bon Dieu. Et puis il a chanté, grand Dieu, nous te bénissons. Parce que son routine, il est habitué avec elle, pas une relation à bon Dieu. Il n'est pas contre qui chante, la caille bon Dieu fonctionner. Même Jean-Paul dit Timothée, afin que tu saches comment se conduire dans la maison de Dieu. Ah! Et pas des nègres qui ont roulé libre là, non, sur l'évangile. Pas de nek qui prend ou libre, non, sur l'évangile là. Et pas de nek qui tout ou ni non devant mon Dieu. Pendant le souche, il y a des belles cravates dans le coul, il y a des belles cosses, mais tout ou ni. Combien de monde qui tout ou ni, matin? Pas de protection, mon Dieu. Péché déshabillé. Ou pas qu'à louer. Ou pas qu'à pas, mon Dieu, gloire. Le ciel pas qu'on est.
Mon servante, pendant mal connecticut. Et puis, m'dal prêcher, non, prière, t'as commencé chaque jeudi soir, première prière. Et puis, servante m'a fait accident. Servante n'a pas qu'à venir. Servante l'a pressé pour être capable de venir dans ce service-là, et puis, fait accident. Et puis, la servante n'a fait accident. Il y a l'hôpital avec elle. Il a regardé ici, qui est un bagage dans le coin qui est écrasé. Et puis, pendant servante là, il vient dans l'hôpital là. Il a passé le long appareil. Il a eu un cancer dans le foie. Cancer du foie. C'est votre quitté travail pour le capable aller. Prends qui mot. Démarche à faire pour l'aller Cuba. Parce qu'il a dit Cuba a invité un vaccin. Vaccin ça spécialement pour foie. Parce que quand pile Cubain qui mouille à cause du foie, pendant 25 ans, il a fait recherche. Il a eu un vaccin ça depuis injecté dans le cancer a disparu. Il n'est pas arrivé à Cuba. Mais son servante de Dieu, qui était dans la prière, dans la louange, il dit l'église, je ne veux pas nous faire pitié pour moi. Je ne veux pas nous faire pour nous faire figuer nous en bagaille. Quittez-moi parce que moi pour bon Dieu. Tout ça arrive, c'est pour moi. Et puis, servante l'a lutté avec cancer dans la foi. Nous avons dimanche matin, pendant mal long service, Connecticut, et puis mon serviteur, pendant que je dis au pasteur Jackson, mon cher, ou qu'a prêché matin, me dit non, serviteur, pas fait ça. Bon Dieu, t'es relo, ou t'es perdu ton pour parler message, mais en tant que prédicateur, il faut qu'à chita, attendez mon tout. Je dis prêcher. Monsieur, prêche un message puissant sur Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Et là, monsieur, fin prêcher la présence de Dieu dans la salle là. Pendant que je campe, ma bonne expérience, pam, et puis il dit, pasteur Jackson, prends cher pour terminer. Je me sens bien aimé. Qualité présence, bon Dieu, sa présence, bon Dieu, presse dans la salle là. Et puis, prophétiser, me dit, au nom de Jésus, cancer ça ou dans mauvais corps. Cancer ça ou pas, ou tromper d'adresse. Et ça fait, pas un mélanger, mais sous moi-même, l'aime dans jeune. Même si moun vin devant, pas un mélanger, mais sous moun, faut me pousser par l'esprit pour me faire. Parce que c'est pas un chel bélier. C'est pas un bagage où Dieu a fait pour nous, nous qu'on a fait. Faut pousser par l'Esprit de Dieu. Puis c'est votre langue continuer. Et puis nous dit au nom de Jésus, qui m'a commencé à prendre, c'est pour stopper. C'est pour ne pas continuer encore. C'est pour mon Dieu guérir. Nous déclarons guérir. Kounia, au nom de Jésus. Bien aimé, je passe. Mais ça n'a pas étonné, non? Oh, cancer, quand tu as pas colonne vertébrale. Et puis c'est votre langue, dernier examen pour te faire on lundi. Pendant ces femmes du bien, l'église en prière, nous avons prié, nous comptons bagala, nous prenons rendez-vous pour nous faire jeûne pour lui-même, nous allons l'autre bord, nous la prier. Et lorsque l'a fait examen, le docteur a dit, congratulations, vous prenez médicament, vous marchez bien, vous avez une trace cancer en dedans pour moi. Mais bon problème, le docteur a dit, servante là, continuez à prendre médicament. C'est votre nom dit, je ne pas de chambre quand je prends un médicament. Levez-moi, on l'a dit, Jésus fait pour moi. Campez sous pierre pour dire, Jésus fait pour moi. J'ai besoin de maladie, levez-moi, on l'a. J'ai besoin de jalousie ou même qui a un défi devant, levez-moi devant mon Dieu. Parce que Jésus-Christ est le même hier. Aujourd'hui et éternellement. Et c'est bon Dieu. Là, c'est mon qui a loué bon Dieu. Mon qui collé sous bon Dieu. Mon qui fait bon Dieu confiance. Jésus fait pour lui-même. Frère Jean-Wolan. La fait pour tout matin. Parce que il n'est pas gardé sous figuimon. Il n'est pas gardé sous l'âge. Il s'est même gardé. Est-ce qu'on fait confiance? Est-ce qu'on habillé? Est-ce qu'on revêtu? Il y a des gens qui sont malades, qui disent qu'ils veulent regarder pour lui-même, vous voulez regarder, cousin regarder. Oh, tout tourne. Tout tourne. Dis bon Dieu pour vous revêtir. Et laisse verser ça, a fait sens pour vous-même. Des montagnes, ensemble, en tout Jérusalem. Ainsi l'Éternel, en tout son peuple. Que l'Éternel continue à entourer vous. Que l'Éternel continue à garder vous. Que l'Éternel continue à toucher vous. Ou même qui est malade au nom de Jésus. Au nom de parole, ça c'est pour guérir, c'est pour délivrer. Ou même qui a un défi devant une montagne, c'est pour rouler. Parce que l'Éternel entoure son peuple. Que le Seigneur vous bénisse.
Father, we thank you, O God. We worship you. We glorify you. We honor you, O God. We thank you for this day, O God. Thank you for your word, O God. Father, your word says that help us, O God, to keep your word, that we don't sin against you, Lord God. So we are so thankful today, O God, that you spoke to our heart. And whoever is here right now, Lord God, that you are calling and tugging to their heart and want them to come and have a relationship with you, Lord God. Touch them, oh God, in a special way, oh God. Father, even if they don't stand right now, even they don't raise their hand right now, even if they don't come right now, Lord, let them go home and still continue to feel that tugging, oh God. That, Lord, they will, oh God, sometime this week, sometime Sunday, and come and say, Pastor, it was me. Pastor, pray for me. Pastor Nixon, just pray for me because God was calling me and I went home and I didn't. But you know what? God is calling you. No one knows the day or the hour that God is going to come. No one knows when something is going to happen. So now is the time. Now is the time. So, Lord, touch our hearts, oh God. Father, help us to continue to meditate on your word. Help us, oh God, even as Pastor called us to pray for an hour, oh God. Let us, oh God, consecrate ourselves to you, oh God, at the end of the year, oh God. Let us just look to you in every situation that we face, Lord God, knowing that, Lord, your word is yea and amen. Knowing that we could stand on your promises, oh God, because there are so many that went before us that have seen your glory, that have seen you come through for them, oh God. So you will come through for us, oh God. So, Father, oh God, bless your people, oh God. We thank you, oh God. Thank you for your servant, oh God. Thank you that, oh God, he made himself available, that you were able to speak through him, oh God. That he was a vessel, Lord God. So, Father, oh God, continue to keep us. Continue, oh God, to have your way in our lives. Have your way, oh God, in each and every person here, oh God. We thank you, oh God. Bless us and keep us. In Jesus' name we pray. Et pendant que le Seigneur t'a persisté à travers serviteur, eh bien, je me sens quand même pour me dire, bon grain là quand même. Que le Seigneur a besoin de faire grâce. Laissez-moi dire, dans le temps que nous vivons là, ou pas besoin seulement, ou pas qu'à seulement contenter comme un religieux, mais on a besoin de relation avec Jésus. On a besoin de relation avec Jésus. Donc, si vous habitué à l'église, vous êtes religieux. Mais si vous pouvez accepter Christ comme sauveur personnel, ou pour confesser avec bouche, pour déclarer avec bouche, reconnaître qu'il est mort pour vous, reconnaître ses péchés, ou inviter pour le prendre première place dans la vie, vous avez besoin de faire ça. Par contre, depuis combien de temps vous vivez sans Jésus? Mais je vous dis, dans ça, époque ça, ou pas qu'à vivre sans Jésus. Amen. Il y a un monde qui dit, soit vivre sans Jésus, ou pas qu'à mourir sans Jésus. Et maintenant, époque ça, là, ou pas qu'à vivre sans Jésus. Donc, vous avez besoin de Jésus dans la vie. Fermez vous. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Maintenant que la paix et la grâce de Dieu, l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, la douce intime communion du Saint-Esprit, soit avec vous tous, dès à présent et éternellement. Bye, frère, la paix, bye, sur la paix. Dis-le, remède.